Il y a eu une analyse, une nouvelle qui m'a fait faire très rapidement d'ailleurs une nouvelle analyse au niveau du poste d'arrière-gauche, pour être précis avec Patrice. Et dans ce laps de temps, je n'ai pas appelé M. Ferguson, mais je sais tout le bien que pense M. Ferguson du joueur. Il m'a confirmé que c'était un joueur important pour Manchester. Et paradoxalement, même si ça peut vous surprendre, il m'a confirmé que c'était quelqu'un d'important au niveau humain. Je l'ai dit, je le répète, j'ai sélectionné le joueur. Je n'ai pas sélectionné l'ancien capitaine de l'équipe de France. J'ai sélectionné le joueur. Parce qu'il me semble que on ne peut pas être titulaire à Manchester United, être un élément important dans l'équipe de Manchester United, re-signer à Manchester United, en étant managé par une personne que je connais très bien, qui lui aussi a beaucoup de valeur, au niveau footballistique, mais au niveau humain. Donc voilà, je le répète encore une fois, j'ai fait des choix par rapport à des critères sportifs, à moi de me faire une idée sur les critères humains. Mais les critères humains, tu ne peux les faire que quand tu côtoies le joueur. Je ne veux pas m'attacher à ce que l'on dit, parce qu'on dit beaucoup de choses, qui sont peut-être vraies d'ailleurs, ou pas. À nous, au staff, de se faire notre propre idée. On va régler le problème, comme ça sera réglé une bonne fois pour toutes. Non. Pour moi, Eric Abidal était le meilleur arrière-gauche. C'est clair, net, précis. Étant donné malheureusement qu'Eric, comme vous le savez, a subi quelque chose d'important, mettra un certain temps, je l'espère, pour revenir, mais mettra un certain temps pour revenir à son meilleur niveau, et je l'espère de tout cœur pour lui. Après, les cartes sont redistribuées. Aux joueurs présents, et convoqué à ce poste-là, de faire en sorte de prendre cette place de numéro 1. En sachant très bien que les performances vont être importantes dans les clubs, dans les rendez-vous de l'équipe de France, mais j'y ajouterai quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que à ce poste, comme à tous les postes, il y aura aussi une analyse au niveau de l'état d'esprit.